Hey, hey, hey! Bienvenue pour un jeu qu'on m'a proposé souvent. Ouais, ça fait 2-3 fois que je prends des jeux qu'on me propose. Enfin, c'est surtout que... Enfin, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est surtout que... Voilà. Enfin, je vais expliquer après. Qui s'appelle Haunt. Et c'est un genre de... En fait, c'est Slender, je crois, en fait. Et je crois qu'ils veulent partir sur autre chose, un truc qui a Aslander, mais aussi d'autres trucs. Enfin bref, on va prendre la difficulté moyenne pour être sûr de voir quelque chose. Alors, on se réveille au milieu d'un endroit qu'on n'a jamais vu, ouais. Donc en fait, en ce moment, je suis un peu à court de jeux à tester, en fait. Je les charge là ou je sais pas quoi. Donc apparemment, c'est un Slender super beau. Effectivement, c'est pas trop moche. C'est fait avec Unity. Et je crois que c'est la version payante. C'est pour ça que c'est aussi beau, en fait. Enfin, vous me direz, c'est juste un moteur. Après, c'est ce qu'on en fait qui fait que c'est beau ou pas. Mais je crois que du coup, on a des meilleurs effets de lumière, etc. qu'en moyenne. Alors, bon, je sais pas ce qu'il faut faire. Ouais, donc je suis un peu à la... J'ai un peu du mal à trouver des bons jeux, en fait. Parce qu'en fait, les gens, on me propose souvent... Alors, attendez, quelque chose... Et putain, j'ai pas le temps de lire. Ah, ça fait chier. Bon, je crois que je vais être là où il y a la croix, ouais. Ouais, je peux pas aller dans la voiture là. Ouh là là! Putain, mais j'avais pas le temps de lire ce qui est marqué! Installation 109, facilité, ouais. Ça doit être une note que je viens de trouver en fait, je suppose. Oh punaise, c'est lui! Tu permets, je prends des trucs! Écartons-nous! Putain, mais il est déjà là! Mais attendez! Ouvre-toi! Oh merde! Mais il est déjà apparu! On va courir un peu, fermons ça. Donc, des fois, on propose des jeux flash, mais les jeux flash, c'est pas trop mon truc en plus, généralement. En plus, généralement, c'est des pointés cliqués avec des énigmes. Et ça, j'ai du mal et je sens trop que. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais il est où? Je sens trop que je vais rester bloqué 10 secondes et qu'il va y avoir des transitions tout le temps. Après, des fois, on propose des jeux comme Jion, The Grudge, Fatal Frame. Alors ça, j'en doute pas, ça a l'air d'être des excellents jeux. Le problème, c'est que c'est sur des consoles que j'ai pas. C'est genre Wii, PS2, tout ça, moi j'ai pas. Et j'ai encore moins de matos pour les enregistrer, même si je les aurais. Donc voilà. Et après, y a les jeux comme... je pense que je vais commencer à faire ça. C'est des jeux qui se rapprochent un peu des shooters et c'est des vrais jeux commerciaux qui font peur, mais c'est on a des armes et on tue quoi. C'est typiquement Dead Space, Metro 233. Bon là il y a une maison, je vais y aller. À l'aide, machin. Metro 233, Fear. Ouais, j'ai un tableau où je marque le nom des jeux. Condemned, tout ça. Ça a l'air intéressant, mais je crois qu'il y a des parties de shoot en fait et je sais pas si ça vous plairait ou pas. Oh punaise. En tout cas, les effets sont réussis. Ah stop, mais. Je peux pas rentrer là-dedans? Putain, mais il est où que... Je le vois même pas! Je crois que je me suis coincé, en fait. Où est-ce qu'il est? Alors, parce qu'en fait, je comptais Let's Play Dead Space, mais... Mais voilà, mais du coup, je suis un peu coincé, là, non? Alors, je joue à ce jeu, mais je compte pas le finir, c'est vraiment... Putain, mais je le vois même pas. Où est-ce qu'il est? Ah, je le vois. C'est parce qu'il est dans la fumée, en fait. Là, on le voit un peu sur le coin de l'écran tout à gauche. Là, il clignote, je pense. Donc, c'est Slender. Donc, en fait, j'avais l'idée de Let's Play Dead Space, mais bon, je sais pas si... Bon, on va essayer de sortir en courant. Vite, écartons-nous. Ne puis-je pas rentrer dans cette maison qui a l'air accueillante, sympathique. Ouais, j'ai trouvé des batteries, même si j'ai pas l'impression de perdre trop de trucs. Ouais, donc j'ai une photo, apparemment. Tiens, on va essayer de monter par là. Putain, heureusement que j'ai pris en normal. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire si c'est fermé. Ok, on se barre. En tout cas, c'est vrai que c'est beau. Mais c'est vrai que les jeux Slender, pareil, ça commence un peu à me saouler. C'est tout le temps pareil. Le seul jeu Slender que je risque de jouer un jour, c'est la suite VR Evil, je crois, qui est fait par les mêmes types qui ont créé le vrai Slender original de base.
Ça va être commercial, donc je crois que ça va être payant, mais j'ai vu des extraits et ça a l'air extrêmement bien fait quand même. Ça a l'air extrêmement, extrêmement bien fait. Je vois, oui, que je marche complètement au pif. Au moins, on a l'air d'avoir le semé. Ne pas passer dans les plantes qui sont pas bons, empoisonnées. Ok, on esquive. Et donc voilà, il y a aussi The Fat Game, donc que je let's play. Le problème, c'est que là, le niveau fait un peu chier quand même. j'ai un peu du mal à le passer. Et voilà, j'aimerais bien aussi let's play des trucs qui ont rien à voir avec de l'horreur, mais plus dans un truc qui font rager. En fait, j'ai bien envie de faire des espèces de vidéos où je tente, sans les finir parce que j'y arriverai jamais, mais des jeux super durs, un peu old school. Oh putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Ah ça va, c'est une cabane. Ah non, c'est un vieux plan en plus. Putain, je suis en plein milieu de la map. Oh, il a pas l'air d'être dans le coin. Il y a un truc qui clignote là-bas. Ne me dites pas qu'il fait joujou avec une lampe, hein, ça peut pas être lui. One scrap left. Ah, j'ai trouvé un truc. Oh, il y a une télé. Ça va, il est nulle part. Oh punaise, c'est quoi cette musique? Oh merde, je sais pas où il est, mais c'est pas bon. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup cet épisode sert un peu de... je sais pas trop quoi, d'explication sur... oh punaise. Sur ce que je compte faire, mes projets, tout ça. Enfin, en tout cas pour la chaîne. Ouais, donc j'aimerais bien essayer un vieux jeu old school super dur, qui sont nommés Nintendo Art sur internet. Typiquement Ghost and Goblins, Contra, tout ça c'est des vieux jeux et j'ai envie de faire juste un ou deux épisodes dessus hein, pour voir le début. Putain, qu'est-ce qui se passe? Et pour vous prouver à quel point et pour me moi voir comment ces jeux sont difficiles et me voir un peu rager dessus. Tout l'intérêt là. Je crois qu'il y a une espèce de gros bâtiment devant moi, mais je suis pas sûr en fait. Ah si, je crois qu'il y a un énorme truc. En tout cas, c'est vrai que ce jeu graphiquement il déchire. Hein. C'est toi que je peux rentrer. Putain, il y a un putain de grillage. Je peux pas rentrer. Moi, on peut courir un peu plus que dans le Slender original. En même temps, c'est pas dur. Hein. Dans le Slender original, je veux pas dire, mais... on allait pas vite. Putain, mais c'est où qu'il y a une entrée là-dedans là? Je suis en train de... longer le grillage depuis trois quarts d'heure. Y aurait-il? Ah, ça y est, je suis fatigué, je peux plus courir, hein, fais chier. C'est quoi ce bruit? Ah! Il y a comme une brèche là. Ah, mais ça m'aide pas. Ah, c'est comme un genre de centrale électrique. Putain! C'est fermé. Ah là là. Donc, aussi, pour ceux qui sont au courant, je suis aussi en train de développer un autre jeu. Qu'est-ce que c'est de ces bruits, bordel? Putain, et puis j'ai... En fait, si ça se trouve, c'est un bout de map, en fait, et ça fait trois quarts d'heure que j'essaie de rentrer. Attendez, je vais revenir en arrière, on va essayer de passer de l'autre côté. De longer dans l'autre sens. Et punaise. Je suis en train de développer un autre jeu, mais ça n'a rien à voir avec l'horreur. C'est un jeu de plateforme, en fait. Et j'espère bientôt pouvoir vous filer un ou deux screenshots, parce que ça fait un petit bout de temps que je suis dessus. Ce sera cool. Bon, c'est pas que je suis un peu paumé, mais je suis un peu paumé. J'ai une touche U, là, qui fait un truc radioactif. Parfait pour me faire repérer. Putain, mais ça sert à quoi cet endroit, là? Il faut que je trouve des clés ou quoi? Je cours. Bon, au moins le slider fait pas trop chier, ça va. Putain, mais y'a pas d'autre porte? C'est une blague? Je crois que je vais avoir fait le tour du truc. On va avoir rien trouvé du tout. Attendez, y'a une espèce de grosse ventilation là. Ah, y'a des camions. Oh putain, j'ai cru que c'était lui, les fougères. Avec les fougères, ça fout les boules. Attendez, je peux tourner là. Ah mais non, ça m'avance à rien.
Ah, et puis c'est juste des vieux trucs tout pourris là. Pas de notes par là, pourtant il y a des camions, ça sonnait si bien. J'ai fait tout le tour. Il y a des bidons d'essence. Je suis bloqué dans des putains de bidons, c'est pas possible. Ah voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est juste un truc qui a pété. Ah, c'est fermé, mais j'ai fait le tour. Enfin, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Il y a une lumière qui pète. Bon, du coup, on est collé au bâtiment. C'est quoi ces putains de camions, là? Ouais, reprends ta respiration, mon petit. Pas de panique. Tiens, j'ai trouvé des batteries. Pas un truc qui a clignoté, là? C'est vrai que le jeu envoie du pâté graphiquement quand même. Hein. Ça change des merdes graphiques que l'on teste un peu récemment. Ah, faut avouer quand même que c'est pas SCP-432 ou Slady Tubbies qui fait plaisir aux yeux. Ah, là je crois que je peux monter à l'étage avec cette poutre. Ah, mais je peux pas sauter, attendez. Je suis tombé au milieu, je sais même pas si je peux remonter. Ouais, ouais, reprends ta respiration, mon petit. Donc si vous n'avez pas vu la bande-annonce de comment il s'appelle déjà? Du prochain Slender, fait par les types qui ont créé Slender. Oh, putain de merde. Je sais pas où il est, mais c'est pas bon. Donc c'est The Arrival, je crois. Ça a l'air impressionnant. Punaise. Punaise, laisse-moi monter, s'il te plaît. À mon avis, il doit être en bas. Avance! Je sais pas du tout où je monte. Il faut vivre dangereusement. Et ouais. Tiens, il y a un truc illuminé en plein milieu. Qui est monté ici, poser deux planches et mettre une photo, quoi? Il doit être en dessous de moi, quelque chose comme ça. Ah, mais non, je ne regarde pas! Je ne le regarde pas, c'est quoi? Mais y'a rien en plus! Punaise, il doit être juste en dessous de moi! Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Mais non! Laisse-moi partir! Tiens! 10 notes restantes, c'est génial! J'en ai que 2 en fait! 3 sur 10 notes en fait! C'est bien ce qui est marqué, 3 sur 10! C'est genre, vous ouvrez le carnet. Ah, vous le baissez et... Ah, il est là! Ça, c'est une idée, ça. Let me go! Let me go! Du coup, je suppose que je redescends, mais il est un peu en dessous. Je sais pas trop en dessous. Ou en dessous, mais il est en dessous, c'est sûr. Monsieur? Est-ce que vous abîmez votre costume, des fois? En fait, il n'y a rien d'autre ici. Je propose de tomber là-dessus, là. Je suis mort de la chute! J'ai chuté de 1,5 m, quoi! C'est quoi ce délire? Bon. Bah, je suppose que ça termine notre épisode. Et c'était juste pour voir graphiquement, se faire un peu plaisir. Donc, je vais probablement faire un let's play sur je sais pas quoi. Si vous avez des idées de let's play... Laissez-les dans les commentaires, mais s'il vous plaît, pas de trucs sur console. Et si possible, des trucs survival, où on n'a pas d'armes, ce serait bien quand même. Parce que Dead Space, on a une arme, mais bon, je pense que je vais quand même devoir passer sur un jeu comme ça. En attendant Amnesia 2 ou d'autres jeux plus propices à la chaîne. Ha ha, oui. Voilà, donc j'espère que j'ai pas trop raconté de conneries dans cet épisode. Parce que c'est vrai que jouer et parler en même temps d'un autre truc, c'est pas évident. Du coup, ça n'a pas fait vraiment peur. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. On s'en fout. Donc, rendez-vous à la main pour donner les news sur ma chaîne. Et bah, à plus.